Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Et dans cette vidéo, je vais tester mes petites nouveautés. Donc, comme vous le verrez dans ma vidéo qui sortira avant celle-là, j'ai reçu ma première box qui est la Glossy Box. Et du coup, là-dedans, j'ai eu un liner de chez Ciaté. Et bah, du coup, je vais le tester dans cette vidéo tout simplement. Alors pour commencer, je vais faire mon teint. Donc je vais utiliser mon fond de teint de chez Yves Rocher ainsi que l'anti-cerne, toujours de la même gamme. Ensuite, je prends ma poudre de chez MAC, donc c'est la NC25. Je vais venir poudrer mes cernes et le reste de mon teint. Pour le contouring, je vais prendre donc celui de chez Huda. C'est la teinte fer, c'est la teinte la plus claire. Alors c'est une texture crème. Moi, je l'applique directement avec mon pinceau contouring. Même si c'est une texture crème de base, après ça fait comme une poudre en fait. On n'a même pas vraiment la sensation que ce soit une crème. Mon blush de chez MAC, donc c'est Extra Dimension Blush, c'est la couleur rouge. Et pour l'highlighter, je vais prendre celui de chez Inglot X Jennifer Lopez. Donc c'est sous forme de poudre libre. Moi je vais pas mettre avec la houppette, là je vais prendre. La couleur est comme ça. Moi j'ai mis mon pinceau. Je vais prendre la couleur Crash qui est celle-ci. Alors la couleur, je la voyais pas comme ça en fait. Vous voyez, c'est un vieux rose en fait. Alors ensuite, je vais mettre la couleur Utopia, donc celle-ci, avec un pinceau plat comme celui-là. Alors en fait, de base, je
J'imaginais pas que la couleur était comme ça. Du coup, on verra bien si ça passe. Et devant, je vais prendre la couleur Galaxy. Donc, je vais remettre directement avec mon doigt. Alors ensuite, je vais prendre la teinte cosmique que je vais mettre sous l'arcade sourcilière. Dessous, je vais mettre ce petit crayon de chez Elite. Je crois que ça n'existe plus. J'avais acheté il y a très 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 longtemps. Donc on va tester ce fameux liner. Donc ça c'est... Et donc c'est comme ceci. Et on va poser... pas mal la petite pointe et après on va venir faire le reste du liner. Mais c'est pas mal du tout hein. Franchement moi des fois qui ai du mal à faire mon liner ben là il est nickel. J'ai reçu aussi dans ma box ces fossiles, donc je vais tout de suite les poser. Bien le rendu, c'est ça fait assez naturel en fait. C'était assez facile à poser, assez. Je galère toujours un peu avec les fossiles. Et pour finir, je vais mettre mon rouge à lèvres de chez Clinique ainsi qu'un crayon de chez Chanel. Ce make-up est maintenant terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Tant qu'à moi, je vous fais plein de mouah. Gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!